C'est honteux. Vous vous rendez compte, les touristes viennent pour les Jeux Olympiques. La France est un beau pays. Hein, et on vient à la place de la Bastille, on trouve des tentes comme ça alignées partout. C'est honteux pour la France. On ne demande pas grand-chose. On demande seulement un logement pour pouvoir vivre dignement comme tout Français. Et puis moi, on est tous ici, on a des papiers. Il n'y a pas de sans-papiers. Hein. Et il y a aussi des gens qui sont des Français et des Françaises parmi nous. Oh, ben on en a eu plein, là. On a eu des personnes qui ont été expulsées par leurs propriétaires au prétexte d'un congé frauduleux. C'est une fraude. Pour relouer derrière un Airbnb. Donc on a vu toutes ces petites pratiques-là, des petits vautours là qui veulent gagner de l'argent, profiter des Jeux Olympiques pour gagner encore plus d'argent, quelques milliers d'euros en plus. On a aussi l'expulsion des sans-abri, la chasse aux sans-abri, qui n'ont jamais été aussi nombreux aussi dans notre pays, depuis les années 50, quoi. Et donc, sans-abri qui sont chassés, renvoyés plus loin, déplacés en région pour se retrouver à nouveau à la rue, etc. Enfin bon, c'est pas la réponse. Part of the story.